Hey, salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est la vidéo Haul Animal Expo, oui, Animal Expo. Il est clairement 20h41, vous voyez. Si vous avez vu mon vlog, vous savez qu'en fait là j'étais à Animal Expo aujourd'hui. Donc voilà, j'ai préféré pas prendre Maya pour cette vidéo parce qu'elle risque d'être un petit peu insupportable. Voilà. Déjà avant, parce que là je blablate pas 3 heures. Juste avant, j'ai Anne-Gaëlle et Cécile qui m'ont donné 2-3 petites choses. Donc je voulais vous les présenter. Donc ça c'est de la part de Cécile, c'est de la marque Sanrio. Voilà, c'est un petit jouet Hello Kitty qui fait poète. Là, normalement, voilà. Je vais vraiment passer super vite les produits. Je suis désolée mais j'ai pas le faim. Il y a trop de trucs, j'ai pas le temps de m'étaler sur chaque produit. Elle m'a offert des friandises de la marque Real Nature, donc au saumon, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, au saumon. Ensuite, le reste c'est de la part de Anne-Gaëlle. Donc j'ai eu 2 paquets de dental sticks de Lefil. Voilà. Maya va être contente. Un petit roll-on au bacon de la marque Trixie. Ça j'en voulais trop un, donc pour la marche au pied tout ça. Et pour le slalom, ce qui est très pratique aussi. De la marque Camon, un petit jouet saucisse. Bon, qui va pas durer longtemps, je l'avoue hein, mais c'est pas grave, c'est mignon, j'adore. Un petit jouet comment ça s'appelle, Scooby-Doo. C'est des Scooby-Doo qu'on appelle ça, je crois, avec les voitures. Voilà, qui fait poète. Je vais éviter de faire tout poéter parce que vu qu'il est tard, les voisins vont peut-être pas être trop contents. Un petit truc de... Un distributeur de sac à carottes, voilà. Du dentifrice en poudre de la marque Francodex. Voilà. Elle m'a donné 2-3 nerfs de bœuf séché pour que je fasse goûter à Maya. Un paquet de friandises comme ça de la marque Jack Dawkins. Voilà. Et un sachet de croquettes de la marque Ideal Balance qui va aller à l'iceberg. Vous vous doutez bien. Vous savez comment je fonctionne. Les paquets de croquettes, je ne m'en sers pas. Je vais aller à l'iceberg. Voilà. Maintenant, on passe au Real Haul Animal Expo. Comment vous dire que j'ai clairement craqué mon slip. Donc, il y a certains trucs, je me souviens des prix, en sachant que c'est les prix, comment ça s'appelle, Expo. Donc, du coup, c'est plus cher en temps normal. Voilà. Alors, déjà, on a eu plein de tote bags. Celui-là, il vient de Lily's Kitchen. Voilà. Et donc, ça ne veut pas dire que ce sera que des produits Lily's Kitchen que je vais vous présenter, même pas du tout là en fait. Pas du tout, je vais vraiment vous présenter tout dans le désordre, je suis vraiment désolée. De la marque Topzoo, c'est le seul jouet que j'ai acheté pour mes chats. Regardez, il est trop mignon, avec les petites plumes et tout. Il m'a coûté 4 euros, ça je m'en souviens. Est-ce que j'ai pas un tote bag là? Si. J'ai eu un tote bag de la marque Edgar Cooper. Il y a quoi là-dedans? On a eu un petit magazine Animalis. Voilà, tout ce qui est magazine, je vais les mettre là. Du coup, je vais ranger là-dedans. Je suis désolée, je fais du rangement en même temps, mais en même temps, j'ai pas trop le choix. Après, pour ceux qui ont regardé mon haul de Animal Expo de l'année dernière, j'avais pris exactement la même. Donc, c'est la marque Topzoo. Elle m'a coûté 10 euros et c'est une abeille. Et j'ai pris l'abeille parce que bah Maya l'abeille. Voilà! D'accord. De la marque Floating Octopus ou Frisback, je sais pas trop. Voyez, c'est un jouet flottant. Voilà, qui m'a coûté 5 euros. Hop. Ensuite, de la marque Rogues, j'ai pris ce jouet qui apparemment est bon pour l'hygiène dentaire. Là, apparemment, ça. Ça passe entre les dents, tout ça, quand il effiloche un petit peu, du coup ça lave entre les dents. Et au niveau de là, faut mettre un petit truc appétant pour que le chien lèche et se nettoie la langue. Et je sais que, je sais pas si vous vous rappelez, la balle dent comme ça, c'était exactement la même marque.
et j'ai été assez surprise de sa tenue. Donc du coup j'ai décidé de reprendre un jouet de chez eux. Là j'ai un prospectus. Et là, là c'est encore un prospectus de l'application SOS Pets. Je vais l'essayer et je vous en reparlerai si elle est bien. De chez Mascotte, j'ai acheté plusieurs choses mais j'ai qu'une chose avec moi. Parce que j'ai déjà donc du coup le collier lumineux. Hop, je vais vous l'allumer. Il est où? Je sais pas si vous voyez. Hop. Donc voilà pour Maya. Alors là vous allez dire il est immense, mais en fait c'est un collier qui se coupe et en fait vous le raccordez et voilà. Voilà, il est USB, c'est de la marque Carly Flamingo. Voilà, et j'ai acheté aussi 3 pâtés pour Miette Miette. Voilà, Cécile était contente. Ensuite, donc on a eu un beau sac Biogans. En même temps j'ai dépensé 90 euros chez eux, donc ils pouvaient m'offrir un beau sac. Vous arrêtez votre bordel? Dis donc. Eh, c'est quoi les chats qui se battent là? Il se passe quoi? Et c'était quoi le bruit? Non mais le gros bruit là. Ah ok. Bagarre de chat. Mamour. Ok. Ouais. Tu peux pas éviter de tirer la chasse d'eau quand je filme? Puis, vous pensez qu'il fermerait la porte pour essayer d'être une voilà. Donc, de la marque Gummy Pets, j'ai acheté ce petit chien qui, comme Spoutnik, qui n'est plus là. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, mon Spoutnik, il est là-haut. Et de la même marque, on a eu le petit éléphant. Donc, en fait, c'était les 3 pour 20 euros. Non, 10. 20. Les 3 pour 20. Du coup, il y avait Ami Chichi, Anna, enfin Ami, Anna, Cécile et Anne-Gaëlle. Du coup, on en a tous pris un. Et il en manquait un pour faire 6. Du coup, bah, je me suis sacrifiée. Ils sont tous doux en plus, ils sont trop mignons et tout. Je les adore trop. Ensuite, ah, ça, oui. J'ai acheté donc une laisse étirable parce que en fait des fois bah, j'aimerais bien une laisse étirable pour Maya par exemple quand on va chez Cécile et Jérémy, ce serait vachement pratique et même un peu dans la vie de tous les jours quand je sais qu'on va dans des endroits pas très sécurisés mais où je peux quand même la lâcher de temps en temps. Bah voilà, ça c'est vachement pratique, sauf que vu que Maya fait plus de 30 kg, les laisses généralement allaient jusqu'à 20 kg voire 25, et celle de 30 kg était à peu près à 40 euros à chaque fois, et là je l'ai eu à 20 euros. Je suis trop trop contente. Alors je suis un peu dégoûtée parce qu'elle est toute simple, mais en fait je m'en fous, elle m'a coûté 20 euros donc je suis contente. J'ai une laisse de qualité, je suis vraiment contente. Après, donc on va passer à Biogans. Sauf que Biogans, si vous voulez, là il y avait une offre. En fait, vous avez acheté 2 produits de la marque Biogans et vous aviez des Biospotix, donc ceux que je vous ai déjà présenté, les comme ça là, gratuits. Du coup, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris les produits et j'ai pris les Biospotix que je pensais être gratuits. Et en fait, non, ils m'ont facturé les Biospotix. Donc j'ai eu 3 boîtes de Biospotix et ils m'en ont redonné 3. Alors là, il y en a 2, mais en gros, j'ai une quantité de Biospotix, voilà, hallucinante. Enfin, et je lui ai dit, bah, vous pouvez pas me mettre gratuit celle qui sont dans mon sac? Non, on n'a pas le droit. Mais ça revient strictement même. En fait, je les avais pris pensant que j'allais avoir gratuit ceux qui étaient dans mon sac. Enfin,
Bon bref, c'est tout, c'est pas grave. Comme ça, je suis pas prête d'en acheter. Je suis tranquille pour un bout de temps. Ça, c'est moi qui vous le dis. En sachant qu'ils étaient à 8 euros au lieu de 14 sur Wanimo. Voilà, j'ai acheté du coup les colliers donc pour Jules aussi, donc Biospatics toujours. Voilà, ils étaient à 5 euros au lieu de 6,20 euros sur Wanimo. Parce que je compare mes prix sur de Wanimo. Évidemment, je voulais pas me faire avoir non plus parce que si je les ai moins chers sur internet, bah je les ai moins chers sur internet. Enfin voilà. Hop. Je me rappelle quand même de pas mal de prix, hein. Je suis assez fière de moi. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo tout de suite, comme ça je savais que les produits allaient un peu rester. J'ai pris donc les lingettes, donc de la marque de Gans, hein. Donc les lingettes nettoyantes à 5 euros. Voilà. J'ai pris donc un spray activateur de mue parce que j'avais le shampoing mais j'avais pas le spray et je vous avais dit que je voulais le spray. Il m'a coûté donc 10 euros, donc c'est l'activateur de mue. Hein. Hop, on va changer de tote bag. il y a un trafic de tote bag en bas. J'ai pris la lotion nettoyante en spray de chez Biogans qui m'a coûté 10 euros. J'ai pris un shampoing antiparasitaire. Voilà, je le trouvais vachement sympathique. Voilà. J'en ai déjà deux, des shampoings là, actuellement de chez Biogans. J'ai l'activateur de mue pour les poils noirs, mais voilà. Je suis une consommatrice de Biogans dans l'âme. Un shampoing sec pour chien, voilà. Il m'a coûté 5 ou 8 euros, si je ne m'abuse. Le shampoing m'a coûté 8 euros. Et la lotion buccale, donc de chez Biogans, pour pareil 5 euros, je crois. Ils m'ont donc offert du Biospatics pour chien, alors que je leur ai demandé, bah vous pouvez pas me mettre pour chien. La nana elle me dit oui, vous en avez déjà beaucoup. Je dis oui, mais en fait moi j'utilise pas ce genre de choses pour ma chienne. Oh mais si, vous pouvez pas refuser, de toute façon c'est gratuit. Pilote, elle me l'a mis dans le sac. Sauf que bah j'utilise vraiment pas ça. Donc du coup je vais le mettre de côté. Soit je vous le ferai gagner, soit je le donnerai à la XPA. Parce que bon, je vois pas l'intérêt de garder des trucs que je ne me servirai pas. J'ai eu le droit à un petit porte-clés Biogans. Voilà, c'est mignon. Hop, il manque des trucs, alors je ne sais pas où ils sont. Ils doivent être dans un autre sac peut-être. Bon, enfin c'était des échantillons de shampoing, on s'en fiche un peu. Après, de la marque Lily's Kitchen. Alors la marque Lily's Kitchen, de toute façon je vais la tester. Toutes les marques là, je vais les tester et je vous en reparlerai. Parce que j'ai pris beaucoup de pâté pour mes chats, en fait, pour tout vous avouer. Parce qu'ils n'avaient plus de pâté et que, en fait, avant, si vous voulez, j'avais le frère de mon papy qui allait chercher mes pâtés en Belgique parce que c'était genre 20 centimes le gros truc de pâté. Sauf que mon papy étant décédé, le frère de mon grand-père ne voit pas ma grand-mère régulièrement, donc du coup, bah... Voilà, du coup, il n'y avait pas trop d'intérêt. Voilà. Mais ça, si je ne m'abuse... Ouais, c'est celles qui m'ont été offertes. En fait, ils m'ont offert des pâtés parce que j'ai acheté un paquet de croquettes que je vous montrerai juste après. Du coup, ils m'ont offert la... Donc oui, donc la marque Lily's Kitchen, c'est 100% naturel. Sans céréales. Et voilà. C'est déjà très bien. Donc on a la turquoise, on me l'avait dit, ah la dinde, voilà. Ah la dinde, c'est le spécial Noël. Alors j'aimerais bien que tu fasses le focus parce que regardez-moi ces packaging quoi. Ils sont juste sublimes. Donc je l'ai en deux fois, voilà. La dame me l'a donné en deux fois. En fait, si, les petites pâtés là, elles coûtaient 1€. Donc j'en ai acheté aussi avant parce qu'en fait je suis passée à la fin chercher mon paquet de croquettes parce que mes chats sont en rupture de croquettes. Donc ils sont pas chez Lily's Kitchen hein, de base, ils sont chez Josera, mais je me suis dit bon, quitte à acheter un paquet de croquettes, je voulais pas aller chez Royal Canin ou quoi. Je me suis dit autant tester les Lily's Kitchen. On a donc au poulet, pareil, elles sont et les packaging ils sont magnifiques, donc j'en ai deux hein. C'est pour ça que je ne vous montre pas deux fois du coup. Et... Unster
spot. Je sais pas. C'est au poulet aussi, mais alors autrement, alors je ne sais pas. Ça doit être voilà, ceux qui sont doués en anglais. Mais regardez-moi, c'est packaging quoi. Alors il se peut que du coup j'y avais pris les mêmes le matin, mais honnêtement je me souvenais pas de ce que j'avais pris, donc c'était un peu compliqué. Et donc le fameux paquet de croquettes, donc j'ai pris celui au poulet. Il est magnifique. Il m'a coûté donc 25 euros. Et quand la nana du coup a vu que je tiquais, elle m'a dit si vous voulez je vous offre 5 pâtés en plus des croquettes à 25 euros. Enfin en gros vous achetez le pack à 25 euros, je vous offre 5 pâtés. En sachant du coup les 5 pâtés, je voulais en reprendre en fait. Ça m'aurait coûté 5 euros, donc on va dire il m'a coûté 20 euros. Voilà. Donc il est trop magnifique. Par contre elle m'a dit de bien mélanger avec mes Josera, parce que celles-là elles sont sans sucre, vraiment sans sucre. Du coup pour les chats qui ont l'habitude au sucre, donc dans les croquettes, ça risque de les faire devenir dingues. Donc elle m'a dit surtout mélangez bien avec vos croquettes, sinon vous risquez d'avoir des soucis. Donc ça c'est bien de le préciser aussi. Et ils ont une gamme pour chiens hein. J'ai acheté un truc pour chiens, je vous le montrerai après. Je vous dis tout est mélangé. J'ai des petits prospectus, elle m'a donné, ouais voilà, elle m'a donné plein de petits prospectus que je lirai tranquillement. De toute façon je vous reparlerai de tout ça, enfin vraiment. Et du coup j'ai eu encore un tote bag, parce que du coup vu qu'on était avec mon chéri a eu le droit aussi à des tote bags, tout ça. Donc du coup on a des trucs en double, mais du coup c'est trop bien, c'est des trucs réutilisables. C'est pas comme les sacs comme ça par exemple, où on peut pas, enfin si on peut réutiliser mais pff, c'est quand même vachement plus joli ça. Ou le petit sac de course Biogans, enfin. Moi j'adore, enfin je trouve ça, j'ai trouvé ça super attentionné. C'était pas les années d'avant et ça franchement j'ai adoré. Et donc on arrive au dernier sac mais qui est rempli, 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 rempli. On a donc de la marque Papillon, voilà, pour 13,99€, un petit renard comme ça. Et si je ne m'abuse il était à moins 50%, voilà. On a de la marque Star Mark, une balle avec une corde. Voilà. Je l'adore. Enfin, j'ai adoré. Et en fait, si vous voulez, j'avais pris ça alors, en deux fois. Qui était à en gros 5 euros les deux. C'est ça, 5 euros les deux. Du coup, j'en ai offert un pour Miette. Et celui-là, regardez-moi le serpent de malade, elle va le surkiffer. Il a des pouettes partout, c'est la marque Nobby. Elle va le surkiffer de malade. Mais il va être défoncé en deux, mais elle va le surkiffer. Il était à 11 euros. Et en fait, cette balle était à 16 euros. Et j'ai dit au gars, ouais, 16 euros et tout. Il me dit, dites-moi ce que vous voulez et je vous dis. Donc j'avais donc du coup les 4 produits, je dis pas, enfin les 3 produits, et puis je dis bah et celle-là elle a combien? Il dit normalement à 16 euros, mais je vous fais le tout à 20. Je dis bah allez-y. C'est bon, on embarque. Voilà. Mais bon, comme quoi, s'ils peuvent nous faire le tout à 20, c'est que la balle ne valait pas 16 euros, enfin voilà. On est complètement d'accord là-dessus. Alors après, de la marque Miss Kitchen, regardez. Un calendrier de l'avant pour chien. Je suis tellement, tellement, tellement contente. Vous pouvez pas savoir. Parce que, bah, c'est de la qualité, quoi. C'est vraiment de la super bonne cam. Par contre, il y a que 3 sortes de biscuits. Mais par contre, bah, 100% naturel, tout ça, quoi. Donc, bah, je suis super, super contente. Donc maintenant, faut attendre Noël. Et regardez-moi ce packaging. Et il le faisait pour chat aussi. Mais mes chats sont tellement compliqués. Mais franchement, je suis tellement contente, quoi. Vraiment c'est waouh. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot que waouh. Il est sublime. Voilà. J'en suis amoureuse. Clairement. Hop. Après. Donc ça j'aurais pas la marque. Je sais pas du tout où je l'ai acheté. Et en fait si vous voulez c'est une laisse Bad Girl. Et le collier. J'ai eu le lot pour 10 euros. J'ai acheté un Hippolino, donc voilà pour ma fifi d'amour, parce que bah, comme vous le savez hein, Maya est une grosse gloutonne,
Donc ça, c'est cool. En fait, si vous voulez, c'est un truc où vous mettez les croquettes et le chien pousse. Mais c'est vraiment fait pour les croquettes. C'est pas fait pour les fondues. C'est vraiment fait pour les croquettes. Vous voyez bien les trous hein, qui sont énormes. Je l'ai payé 24 euros en sachant que sur Wanimo, il est à 30 euros. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ce petit paquet de friandises de la marque Bimimex, donc pour les dents. C'est un peu comme les friandises pour chat, vous voyez la forme. Je l'ai payé 1€. Donc de la marque Atslum, j'ai pris des pâtés, donc un 1€ pareil la pâté. Donc c'est pareil, c'est des 100% naturels, tout ça. J'ai essayé pour mes chats là, de prendre que du 100% naturel et pour voir ce qu'ils préféraient. Là j'ai saumon et poulet. Voilà. Je sais plus où mettre les trucs quoi. Là j'ai bœuf, tout simple. Les packaging ils sont magnifiques. Là j'ai poulet tout seul. Ils sont beaux. Ils sont magnifiques les packaging aussi. Mais je préfère les whisky chimpel. Là c'est veau et dinde. Voilà. Là c'est dinde tout seul. Et là c'est saumon. Voilà. Donc ça c'est pareil. Je suis bien contente. Là un petit prospectus. Après, j'ai acheté de la marque Bully Max donc deux petits filets de poulet au barbecue. Ils m'ont coûté 1€ les deux. Voilà, c'était un lot de deux, mais c'était 1€. Après, des friandises à la peau de saumon. Le gars nous a fait goûter, donc toujours de la marque Bully Max. Goûter, sentir, c'était ignoble. L'odeur était ignoble. Et 1€ toujours. Ensuite, en cadeau, enfin en échantillon en fait, on a eu, que je viens de penser que j'ai pas redonné à Cécile et Anne-Gaëlle. Ma caméra a coupé, donc c'est des pâtés 100% naturels. Voilà. Peux-tu faire un petit focus? Voilà, petit focus, merci. Hop, on a au gibier canard. Voilà, celui-là ça doit être le spécial Noël à mon avis. Et saumon et truite. Voilà. Je fais plus le focus sur ma tête du coup. Voilà. Donc voilà, donc du coup je leur donne à Angel ou à Cécile. Alors, après de la marque Stussy, donc c'est pareil, 100% naturel machin. Celle-là elle coûtait 96 centimes, bon 1€, en fait toutes les pâtes coûtaient 1€ en gros. Donc celles-ci elles sont au jambon, voilà. Et celle-là au bœuf, voilà. En fait là c'est un peu redondant, je suis désolée. Je suis un peu désolée. Après on a eu des échantillons de croquettes Ultima. J'ai eu le Ultima mini stérilisé. Parce qu'en fait si vous voulez, au début j'avais pris mini junior. Et en fait celle-ci là me dit ah c'est trop grosse pour moi et tout. Enfin pour le miette. En fait on va les utiliser en friandise. Donc du coup on a échangé, donc j'ai eu mini stérilisé. Hop. Ensuite, de la marque Bulimex pour 1€, donc des friandises beauté du pelage. Voilà, j'avais même pas vu que c'était des friandises beauté du pelage en fait. J'ai juste vu que c'était des petites friandises, du coup je les ai prises. Et de la marque Chezir, donc de la pâté 100% naturelle toujours, donc au poulet et au thon et au poulet. Et j'ai remarqué que mes chats avaient beaucoup de poulet du coup. Ensuite, donc on retourne à la marque Lily's Kitchen. Donc voilà, j'ai mes petites pâtés que j'ai pris au début. Et je suis en train de me rendre compte qu'en fait j'en ai pas tant que ça en double. Ah bah oui. Je suis une boulette. J'ai pris des croquettes pour chat mature. Voilà, plus de 7 ans. On en parle ou pas? Putain mais pourquoi?
il veut pas le focus. Voilà. Donc bah mes chats auront de la pâtée pour plus de 7 ans. Donc qui est au poulet. Voilà, donc celle au poulet qu'on a vue tout à l'heure. Une au bœuf. Celle à la dinde de tout à l'heure. Et l'emblème, c'est agneau. Et à l'agneau, voilà. Est-ce que tu peux bien refaire le focus sur moi s'il te plaît? Merci. Et pour finir, parce que oui, ça y est, on est à la fin. Il serait peut-être temps. On a des petits échantillons de croquettes, donc pour chaton et pour chat classique. Chat adulte. Donc voilà, des petits échantillons de croquettes que je vais du coup mélanger à leur gros paquet de croquettes. Et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue parce que bon, il y a eu beaucoup d'achats, du coup j'ai essayé un peu passer vite les produits. Si vous voulez que je vous reparle des pâtés naturels que j'ai eu pour mes chats, je vous en reparlerai, il n'y a aucun souci. L'application, je vous en reparlerai. Enfin, en fait, je vous en reparlerai si c'est bien, si c'est pas bien, je pourrais vous en parler aussi, mais je vais pas me faire une vidéo où je vais démonter une marque. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça avec la Woofbox, j'en ai payé les conséquences. On m'insulte constamment à cause de cette vidéo, donc voilà. Après, je pense que vous aimez bien aussi mon franc-parler et de savoir ce que je pense réellement des produits. Donc voilà, chacun le fait comme il sent. Moi, maintenant, là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller donner les jouets à Maya. Donc je vais m'empresser de le faire, elle va être terriblement contente. Et là, je meurs d'envie d'aller le faire. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Grosse les chouilles les copains!